Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à l'ENS Rennes et sur YouTube pour cette deuxième conférence du cycle de l'Anthropocène organisée par l'association UBIDEM. Merci Monsieur Pisani-Ferry d'avoir accepté notre invitation pour une conférence intitulée « Peut-on réussir la transition écologique ?» Donc si pour la plupart nous vous avons déjà étudié dans le cadre de nos cours d'économie, je vais tout de même vous introduire. Vous êtes membre du Conseil d'analyse économique, professeur d'économie à Sciences Po Paris, à Dauphine, ainsi qu'à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez été commissaire général de France Stratégie, expert pour la Commission européenne ou encore le FMI. Par ailleurs, vous avez contribué au programme économique de Lionel Jospin en 2002, François Hollande en 2012 et plus récemment d'Emmanuel Macron en 2017, dont vous êtes considéré comme l'architecte de sa politique économique. Ces faits d'armes font de vous l'un des économistes les plus reconnus en France aujourd'hui. Et c'est notamment pour cela qu'Elisabeth Borne, la Première ministre, vous a confié la mission d'évaluer les impacts macroéconomiques de la transition écologique. Ce rapport, intitulé « Les incidences économiques de l'action pour le climat » rendu le 22 mai 2023, présente les grands enjeux économiques de la transition écologique. C'est l'objet de la conférence d'aujourd'hui que je laisse Baptiste Bernier vous introduire. Donc effectivement, c'est après les accords de Paris et dans un contexte de planification écologique, à la fois sur la scène nationale et européenne avec le Green Deal, que vous fournissez ce rapport de plus de 150 pages sur les coûts économiques de la transition. Il est extrêmement riche, très pédagogique et surtout sans équivalent dans l'Union européenne. Il est accompagné de 11 rapports thématiques et a été rédigé en collaboration avec de nombreux économistes, mais surtout avec l'inspectrice générale des finances, Selma Mahfouz, rapporteuse de la mission, et avec le concours de France Stratégie, l'organisme de recherche et de prospective rattaché à Matignon. C'est une véritable boîte à outils que vous offrez aux citoyens, et bien évidemment une mine à recommandations pour les décideurs publics. Vous avez effectué une vraie recherche appliquée, comme on aime le dire à l'ENS, avec des analyses quantifiées des enjeux de transition qui nous attendent, et offert des définitions nouvelles dans le champ de l'économie de l'environnement. Alors la question, peut-on réussir la transition climatique ? Le rapport répond en substance en insistant sur le fait que la neutralité climatique reste atteignable, mais qu'elle nécessite une transformation rapide et globale, notamment dans la décennie à venir, et qu'elle sera principalement pilotée par les politiques publiques. Le rapport met en évidence le supplément d'investissement requis par la décarbonation dans tous les domaines de l'économie, et il souligne le fait que le financement de ces investissements va probablement induire un coût économique et social de l'ordre de 34 milliards d'investissements publics supplémentaires par an. Un financement qui fait l'objet de débats passionnés dans le débat public et pour lequel vous proposez notamment la mise en place d'un prélèvement exceptionnel et temporaire assis sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés. Prélèvement sur lequel vous avez été beaucoup interrogé, mais nous y reviendrons lors des questions. En attendant, nous vous laissons la parole pour nous présenter plus en détail les enseignements de ce rapport avant un temps d'échange. Merci beaucoup et puis très bonne conférence. Bon, merci de m'avoir invité, merci de cette introduction. Vous avez cumulé tout ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, donc ce n'est pas simultané, c'est séquentiel, successif. Donc merci de cette introduction. Bon, je ne vais pas vous présenter le rapport dans son intégralité, je vais faire quelques... coup de carottage pour vous expliquer des points qui me paraissent importants pour la discussion. Comment ? D'accord. Non, mais je vais bouger. Je vais vous donner des éléments un peu particuliers. D'ailleurs, certains ne sont pas dans le rapport. Et puis, surtout ensuite, on discutera. Voilà. Ce que je voudrais vous présenter, c'est ces points-là. Ce qu'il faut savoir sur l'effet de serre, je ne sais pas ce que vous savez. Je suppose que vous savez, vous avez des connaissances partielles. Donc, je vais essayer de vous donner des éléments un peu plus complets. En tout cas, des choses qui sont pertinentes du point de vue de la logique économique. Et puis je vais passer en revue les obstacles à la transition, les mécanismes fondamentaux, la question de savoir comment on finance
et puis des stratégies climatiques disparates et enfin des conclusions. Si je commence par ce qu'il faut savoir sur l'effet de serre. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'effet de serre, c'est que c'est quand même un mécanisme à la fois très simple et assez particulier. C'est un mécanisme très simple. C'est un mécanisme très simple parce que c'est un mécanisme qui, à la fin, est une relation linéaire, s'approxime par une relation linéaire entre le stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le réchauffement de la température. Alors, il faut imaginer, c'est une approximation qui est à peu près juste, que une fois qu'une tonne de carbone est dans l'atmosphère, elle y reste. Et elle y reste pour une durée très très longue, et on peut considérer que du point de vue de l'approximation, c'est équivalent à l'éternité. Donc vous avez ce stock qui s'accumule, et ce stock a une relation linéaire avec la hausse des températures, avec le niveau des températures. Donc vous voyez que ici, vous avez, donc c'est un graphique du GIEC, donc vous avez l'évolution historique, et puis ensuite vous avez les projections. Et vous voyez que bon, il y a des projections différentes, mais dans toutes les projections, on a une relation qui est une relation linéaire. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et donc ça, c'est une relation, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude, qui est une relation entre flux. Ce dont on a l'habitude, c'est une relation entre flux. Là, vous avez une relation entre les flux qui se cumulent, qui donnent un stock. Le stock, il n'y a pas de sortie du stock. Il n'y a quasiment pas de sortie du stock. Et le stock détermine la hausse des températures. Donc ça, c'est un mécanisme central. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de raisonner en budget carbone. Et le budget carbone, c'est donc pour l'ensemble l'humanité, l'ensemble des pays du monde, c'est la quantité de carbone qui reste à émettre si on veut limiter la hausse des températures à un certain niveau. Ce niveau, ça peut être 1,5 degré, ça peut être 2 degrés. Vous voyez que si, en fait, on souhaite limiter la hausse des températures à 1,5 degré, au rythme actuel, il nous reste 6 ans. Si on veut limiter la hausse des températures à 2 degrés, au rythme actuel, il nous reste 28 ans. Et si on continue à émettre, la température continuera à augmenter. D'accord. Donc ça c'est fondamental, et donc c'est en cela qu'il y a matière à agir et à agir rapidement. Le temps est compté, hein, comme le dit le titre de la slide. Il ne faut pas supposer qu'on a le temps et qu'on peut rattraper les choses qu'on n'a pas faites pendant des décennies ou pendant les années qui restent. À quoi ça correspond, du coup, du point de vue de l'évolution économique ? Alors, ça nous impose de changer de source d'énergie, et ça nous impose de passer essentiellement de sources d'énergie carbonées, le combustible fossile, à des combustibles décarbonés ou à l'absence de combustible dans le cas de l'énergie éolienne ou de l'énergie solaire. Et ceci, ça renvoie à ce qui s'est fait, en fait, dans l'histoire de l'humanité depuis qu'au XVIIIe siècle a commencé à apparaître le charbon, et que le charbon a entraîné une révolution industrielle, et ensuite ça a été substitué par les combustibles liquides, les hydrocarbures, et ça fait une autre révolution industrielle. Donc vous voyez, en vert, c'est la biomasse traditionnelle, en noir, c'est le charbon, en gris, c'est les hydrocarbures,
Et puis ensuite, vous avez différents types de combustible ou de un peu de vous avez un peu d'hydroélectricité, vous avez un peu de nucléaire, mais surtout vous avez ensuite la projection à l'horizon 2050 qui est faite par l'Agence internationale de l'énergie dans l'hypothèse d'une neutralité carbone du système énergétique à l'horizon 2050. Et ça, ça vous montre la vitesse à laquelle il faut le faire, c'est-à-dire une vitesse absolument sans précédent. Hein, vous voyez qu'il a fallu 60 ans ou 50 ans pour que le charbon atteigne une part suffisamment, enfin une part majoritaire dans l'approvisionnement en énergie. Et puis ensuite, il a fallu le même temps pour que les hydrocarbures se substituent au charbon. Et là, brutalement, il va falloir faire en l'espace de quelques années, de quelques décennies même, il va falloir faire ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait, ce qui a pris beaucoup plus longtemps dans le passé. Qu'est-ce que... vous pouvez m'interrompre hein, si vous avez des questions. Qu'est-ce que ça implique et est-ce qu'il faut désespérer ? Alors, c'est facile de désespérer. C'est facile de dire on n'y arrivera pas. C'est facile, du coup, d'être un peu dans une problématique qui dit soit on change tout, soit on est condamné et on condamne l'avenir de l'humanité. Bon, la réalité est un peu plus nuancée que ça. Je ne veux pas dédramatiser à l'excès, mais un peu plus nuancé que ça, notamment parce qu'il y a des obstacles qu'on a commencé, sur lesquels on a commencé à avancer, et puis qu'il y a un progrès technique qui est, lui, encourageant. Alors, la première chose, c'est que, bien sûr, les politiques en place ne garantissent pas, et de loin, la neutralité carbone. La courbe en bleu, donc ça, c'est des données de l'Agence internationale de l'énergie. La courbe en bleu, c'est les politiques en place. La courbe en vert, c'est ce qu'il faudrait pour atteindre la neutralité carbone. Donc, vous voyez que c'est l'augmentation de température dans les deux cas. Vous voyez qu'il y a un écart très important entre les deux. Et ces politiques en place, on continue évidemment à émettre des gaz à effet de serre, et même le flux des émissions continue à augmenter. Donc il faut arrêter, non seulement il faut arrêter le flux, mais il faut inverser le flux et le ramener à zéro. Donc on en est loin. Ceci dit, si vous regardez ce qu'on prévoyait avant l'accord de Paris, donc là, vous avez, sur ce graphique, vous avez pour le système énergétique, hein, ce n'est pas la totalité des émissions, mais pour le système énergétique mondial, vous avez 2015, c'est l'accord de Paris, vous avez ce sur quoi, la tendance sur laquelle on était avant l'accord de Paris, et vous avez la situation dans laquelle on pense être en 2030 si on maintient les politiques en place. Donc vous voyez que les politiques en place, elles aboutissent à stabiliser le flux. Donc vous avez cet effet, cette montée, le choc du Covid, et puis ensuite vous avez une baisse des émissions qui commence à se produire et qui aboutit à stabiliser les émissions en 2030 au niveau de 2015. Alors c'est pas du tout ça qu'il faut faire, hein, mais ça vous dit qu'il se passe quand même quelque chose. Et c'est intéressant parce que les économistes, notamment, avaient dit l'accord de Paris, ce sera totalement inefficace. Parce que, en fait, on fait face à un problème d'action collective internationale, donc un problème de dilemme du prisonnier généralisé. Et donc, c'est très impressionnant hein, quand vous raisonnez sur la question de l'effet de serre, vous dites une tonne de carbone, où qu'elle soit émise, elle aura le même effet dans l'atmosphère. Donc vous avez une incitation en fait à jouer systématiquement les passagers clandestins. Et William Nordhaus, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur l'économie de l'environnement,
a montré que les coalitions carbone, elles étaient instables. C'est-à-dire que quand vous êtes, vous raisonnez sur quelques pays et que vous essayez de construire une coalition pour réduire les émissions, eh bien, au début, ça marche. Et puis, assez vite, il y a des pays qui se disent, bah, puisque d'autres font les efforts, je vais m'abstenir d'efforts. Et donc, je vais quitter la coalition. Donc, c'est tous ces problèmes-là. Et donc, c'est ça qui avait rendu les économistes très pessimistes. En fait, on a une efficacité de l'accord de Paris qui est supérieure à celle qu'on avait anticipée. Et pourquoi on a cette efficacité? Essentiellement parce que l'accord de Paris a mis en route un nouveau progrès technique, et un progrès technique qui, en matière d'énergie renouvelable, en matière de véhicules électriques, etc., il a fallu simplement avoir une masse critique de pays qui s'engageaient, même avec des mécanismes faibles, même avec des mécanismes non contraignants. C'était la masse critique qu'il fallait pour que les entreprises fassent le pas. Et donc, ce qu'on a obtenu du coup, ça, c'est, j'y reviendrai, c'est sur la Chine, c'est par exemple ceci. Ça, c'est l'agence, alors ça, c'est pas dans le rapport, c'était l'Agence internationale de l'énergie qui a repris pour, depuis 2015, et tous les deux ans, regardez ce qu'elle avait prévu pour 2030. Donc les points correspondent, le point marron, orange foncé, hein, c'est le point correspondant à l'édition 2015 des projections de l'Agence internationale de l'énergie. Et tous les autres points sont les points qui correspondent aux générations suivantes des rapports. Et ce que vous voyez, c'est que ici, vous avez eu systématiquement des bonnes surprises. Et vous avez eu des bonnes surprises parce qu'au fond, la technologie, elle va plus vite que ce que l'on avait anticipé. Elle réduit, elle permet plus rapidement de réduire les émissions dans des conditions économiques qui sont plus favorables. C'est-à-dire qu'en termes, par exemple, de coûts complets, hein, parce que si vous comptez les coûts complets, il faut aussi des technologies qui fonctionnent quand on est en intermittence. Mais en termes de coûts instantanés, les énergies renouvelables sont tout à fait aujourd'hui compétitives. Donc ce sont quand même des bonnes nouvelles. Alors vous allez me dire la Chine, alors, c'est là que je vous montre le graphique précédent. Le graphique précédent, il vous montre ce qui se passe en Chine. Et je trouve que c'est très intéressant parce que la Chine, c'est à la fois... un des pays qui émet c'est le pays qui émet le plus, c'est le pays qui installe encore des centrales à charbon, et en même temps, c'est le pays qui est champion des énergies renouvelables, hein, du solaire, de l'éolien, et maintenant des véhicules électriques, puisqu'on voit débarquer, on va voir débarquer les véhicules électriques chinois. Et donc, quand vous regardez l'équilibre, en fait, du marché de l'énergie primaire en Chine, vous avez l'accumulation en fait de ce qui arrive en fait en capacité de production, c'est essentiellement du renouvelable, mais ça ne suffit pas à combler ici la demande, à répondre à la demande totale. Hein, la demande totale, donc c'est en térawattheure, c'est 300 térawattheures. Vous voyez que là, sur ces 300, il y en a 70 qui sont fournis par les combustibles fossiles d'augmentation. Le 300, c'est l'augmentation. Mais il y en a 200 qui sont fournis par... plus de 200 qui sont fournis par les énergies bas carbone. Donc, ce que ça montre, c'est que si ça continue comme ça, et ça continue comme ça, assez vite, en fait, la Chine va devoir décommissionner des centrales à charbon. Où elle va les garder pour faire du backup, en fait, de ces capacités-là. Hein, c'est-à-dire, quand il y aura des énergies intermittentes et que les énergies intermittentes ne marcheront pas, on fera fonctionner les centrales à charbon. Mais ce sera quand même beaucoup moins que de faire fonctionner les centrales à charbon à plein régime pour fournir de l'électricité. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Alors, il y a des bonnes nouvelles sur,
sur la Chine. Il y a des moins bonnes nouvelles, et on pourra y revenir dans la discussion, sur l'Inde, sur l'Indonésie, sur l'Afrique du Sud, sur tous ces pays qui sont des pays émergents, qui n'ont pas le même engagement technologique que la Chine, et du coup qui sont aujourd'hui en situation de, en fait, de jouer un rôle critique dans la limitation des émissions, parce que ce sont des pays qui ont de la croissance. Ils ont de la croissance et ils alimentent cette croissance avec des combustibles fossiles. Et donc, ça, c'est un danger important pour la planète. Je saute ça. Alors, les obstacles, j'en ai un troisième que je vais vous citer. Donc, le premier, c'était l'action collective internationale. Le deuxième, c'était la capacité de faire avec la technologie. Et le troisième, c'est l'attitude de l'opinion. Donc là, j'ai pris une enquête qui est l'enquête Fracture française, hein, qui est une grosse enquête qui est faite par Ipsos, avec la Fondation Jean Jaurès et avec Sciences Po, surtout, et qui interroge les Français sur ce qu'ils attendent. Et donc, sur ce sujet, vous voyez, c'est une enquête de l'automne 2023. Grand scepticisme à l'égard du progrès technique. 15% considèrent que la solution viendra du progrès technique. À peine, presque autant, considèrent qu'il n'y a rien à faire et qu'on ne pourra pas limiter le changement climatique. Et le reste, ce sont des gens qui considèrent qu'en fait, soit ce sont aux entreprises... qu'il faut demander de faire des efforts, soit c'est de dire ben, on doit faire des changements de comportement, on doit aller vers la sobriété. Donc c'est l'indication du fait que il y a, et c'est compréhensible, il y a un grand scepticisme de l'opinion, hein, qui a vu le problème grossir, il a pris une place considérable dans les débats depuis deux ans à peu près, mais il était déjà présent de longue date avant. Et donc, ils ont vu ces évolutions se produire et les politiques ne pas réagir, donc grand scepticisme. Et en plus, il y a un doute sur la question de savoir qui doit faire des efforts. Est-ce que les Français... On peut demander des efforts aux Français. Alors, on peut leur demander des efforts, mais essentiellement de modifier leur mode de vie, pas de payer pour la transition. Alors, le problème, c'est que modifier leur mode de vie, ça renvoie à la sobriété, ça renvoie à des actions qui sont importantes, mais qui joueront probablement un rôle secondaire dans les facteurs de réduction des émissions. Hein, les facteurs de réduction des émissions, ce sera largement la substitution du capital aux combustibles fossiles et les effets du progrès technique. Alors justement, je viens sur cette dimension-là. Quels sont les mécanismes ? Quels sont les mécanismes pour réduire les émissions ? Ben, il y en a trois. Il y a la réorientation du progrès technique, ça j'en ai un peu parlé. Il y en a deux sur lesquels je voudrais insister, qui sont les mécanismes de substitution de capital à des énergies fossiles et le mécanisme de sobriété. La substitution de capital aux énergies fossiles, c'est au fond un mécanisme très générique, qui est derrière... quand vous réfléchissez à ce que c'est qu'une centrale hydraulique, ce que c'est qu'une centrale, une ferme solaire, ce que c'est qu'une une ferme d'éolienne, ce que c'est qu'un système de voiture électrique, ce que c'est que une installation de pompe à chaleur et accompagné de l'isolation des bâtiments. Tout ça, c'est de l'investissement, c'est du capital.
Et en contrepartie, il y a moins de coûts d'exploitation. Il y a moins de coûts d'exploitation parce que le coût d'exploitation, le coût marginal, si vous voulez, de l'électricité produite, de l'énergie produite, il est nul, en fait, avec une éolienne, il est nul avec l'énergie solaire, et il est très faible dans un certain nombre d'autres cas. Donc, vous avez un mécanisme générique qui est de dire, on va passer d'une économie qui est une économie de coûts d'exploitation, parce que, bon, une chaudière à fioul, c'est assez simple, hein, c'est un... voilà, vous faites brûler du fioul et ça chauffe de l'eau et ensuite vous envoyez l'eau dans les tuyaux. Donc une technologie n'est pas très compliquée. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on doit avoir demain, c'est une économie qui est une économie qui repose beaucoup plus sur du capital. Alors je reviendrai à la sobriété après, je voudrais juste vous montrer ce graphique. Ce graphique, il a été fait par le Committee for Climate Change. Committee on Climate Change britannique. Donc, au-dessus de la ligne, en bleu, vous avez les investissements, donc les dépenses en capital. Et en dessous de la ligne, vous avez les économies de coûts d'exploitation. Et ce qui est très intéressant sur ce graphique, c'est qu'ici, vous voyez qu'au-dessus de la ligne, vous avez quelque chose qui arrive à peu près 2 points de PIB par an. Hein, et en dessous de la ligne, vous avez progressivement des économies qui apparaissent. Si vous mettez en 2030, vous avez des économies qui font à peu près 20 milliards de livres contre 50 milliards de livres d'investissement. Donc vous êtes très loin, en fait, de compenser vos coûts d'investissement par des économies de coûts d'exploitation. Et ce n'est que progressivement que ces économies vont apparaître. Pourquoi ? Ben, simplement parce qu'il faut du temps pour que l'investissement produise ses effets. Vous voyez, quand vous faites une éolienne, quand vous faites une centrale nucléaire, quand vous faites des choses comme ça, ça prend du temps avant que ce soit en opération. Et à partir du moment où c'est en opération, ça produit ses effets. Donc, vous avez ces mécanismes. Donc, à terme, à horizon 2050, vous voyez qu'on aura... ou à horizon 2040, on aura des économies de coûts d'exploitation qui seront très importantes. Mais il faut passer par une phase d'accumulation. Donc ça, c'est le mécanisme de substitution du capital aux énergies fossiles. L'autre mécanisme, c'est la sobriété. La sobriété, c'est quoi ? C'est pas évident pour un économiste de définir la sobriété. Pourquoi ? Parce que les économistes font assez facilement l'hypothèse que les comportements sont rationnels. Et donc, que si les gens consomment, c'est parce que, au fond, ils ont envie de consommer, que ça correspond à leurs préférences. Et donc, quand vous dites on va réduire ces consommations et on va faire de la sobriété, la première réaction de l'économiste, c'est de dire, moi, je ne comprends pas, il faut mettre un prix. Hein ? Si vous avez un prix sur les consommations qui débouchent sur les émissions de gaz à effet de serre, donc un prix du carbone, alors à ce moment-là, le comportement rationnel, ce sera de réduire ces consommations. Si vous mettez une contrainte, à vous obliger en fait à réduire la consommation, mais vous réduisez en même temps l'utilité. Et donc l'idée qu'il y aurait de la sobriété, qui pourrait être de la sobriété choisie, c'est une idée qui paraît très bizarre à des économistes. En fait, quand vous réfléchissez, vous vous rendez compte que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a des changements de comportement qui sont des changements de comportement qui, à la marge, ne vous retirent pas beaucoup de bien-être, mais qui ont un effet important en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, typiquement, c'est... éteindre les lumières, éteindre sa cafetière, éventuellement prendre le vélo. Et c'est intéressant de voir manger de moins de viande rouge, etc. Donc tous ces changements de comportement sont des changements de comportement qui correspondent en fait en partie
à des préférences individuelles pour lesquelles il n'y avait pas la capacité de les exercer. Par exemple, le vélo, où il faut des pistes cyclables pour faire du vélo en sécurité. Donc, si vous n'avez pas de pistes cyclables, c'est difficile de considérer que vous allez pouvoir aisément faire du vélo. Ça peut être dangereux. Donc, ça nécessite un peu de politique publique, mais ensuite, c'est les comportements qui vont prendre le relais. La viande rouge, vous pouvez avoir des co-bénéfices. Vous avez des co-bénéfices, en fait, à manger moins de viande rouge. Donc, vous avez tous ces éléments qui, en fait, peuvent être incités par des politiques qui sont des politiques pas nécessairement de réglementation, mais qui peuvent être des politiques d'incitation douce, ce que les anglo-saxons appellent le nudge, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on vous dit si vous faites ça, ben vous allez en fait vous inscrire dans l'évolution des normes sociales, vous allez faire comme la majorité des gens, vous n'allez pas être quelqu'un qui va être l'idiot, qui se restreint et qui va donc de ce fait-là avoir cette enfin être en marge du comportement collectif. Donc c'est ça, c'est la combinaison. Alors, c'est pas beaucoup, en fait, la sobriété. C'est important parce que ça permet de le faire, on peut le faire sans beaucoup d'investissement. Ça produit des effets assez rapidement, mais quantitativement, c'est pas beaucoup. Et donc, quantitativement, de ces différents mécanismes, le principal, ça va être, dans un premier temps, la substitution de capital à des énergies fossiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup d'investissements. Donc, ce tableau, il est dans le rapport. Donc, c'est la quantification des investissements qu'il faut faire pour réussir la transition climatique. Et donc, c'est des milliards d'euros par an. Alors, avec... par rapport à un scénario dans lequel il n'y a pas d'action climatique et il n'y a pas non plus de dommages, c'est un scénario assez fictif, mais c'est un scénario par rapport auquel les gens raisonnent. Et donc, il y a ça, et ça vous donne, domaine par domaine, hein, ce à quoi on doit arriver pour réussir à atteindre nos objectifs, et nos objectifs à l'horizon 2030, c'est moins 55% par rapport à norme 90, enfin des émissions en 1990, c'est, si vous voulez, c'est d'accélérer, de multiplier par 3 la vitesse de réduction des émissions par rapport à ce qu'on a fait au cours des dernières années. Donc c'est un gros effort, et cet effort, il nécessite toute une série d'investissements. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a un moins 8 ? Parce que, typiquement, on suppose qu'il y a de la sobriété qui intervient, donc il y a une réduction de la part modale de la voiture, et on va aller prendre davantage les transports en commun, on va aller prendre davantage le vélo, etc. Et donc, on va avoir on va faire davantage de covoiturage, et donc on va avoir moindre nécessité d'investir dans des véhicules. Qu'est-ce qui est public et qu'est-ce qui est privé là-dedans ? Ça dépend beaucoup des domaines. C'est-à-dire qu'il y a des domaines qui sont presque exclusivement privés, typiquement les investissements des entreprises. Il y a des domaines qui sont presque exclusivement publics, les investissements de la sphère publique elle-même. Et puis, il y a des investissements qui sont privés, mais qui vont devoir être aidés par le public. Alors ça, c'est vrai en particulier des investissements des ménages. Et ça, ce sont les investissements des ménages pour acheter pour rénover son logement et changer de vecteur de chauffage, ou bien pour acquérir un véhicule électrique. Donc ce sont, vous voyez, là on raisonne en investissement brut, c'est moins si on raisonne en investissement net, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on aurait fait de toute façon en termes de
changement de son vecteur de chauffage ou d'acquisition de véhicules. Mais en investissement brut, c'est énorme, puisque ça représente, même pour la classe moyenne, donc là, c'est les ménages très modestes, et puis la classe moyenne. Vous voyez que pour la classe moyenne, on est encore à quelque chose qui représente à peu près une année de revenus, tant pour le changement de véhicule, l'acquisition d'un véhicule électrique, que pour la rénovation du logement, vecteur de chauffage et isolation. Donc c'est important, et évidemment, ce n'est pas possible de dire à des ménages qui sont déjà endettés, vous allez financer ça sur votre épargne, hein, ou vous allez épargner plus pour faire ces investissements. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un besoin très important de soutien public. Et ce soutien public, il est d'autant plus important que quand on met les gens devant une équation sans solution, je vais sauter ça, on y reviendra. Quand on met les gens dans une équation sans solution, ça se passe mal. Ça s'est mal passé en France quand on a fait les choses avec la taxe carbone. Ça s'est mal passé en Allemagne lorsqu'on a dit il faut que vous changiez. Si vous changez votre chaudière, il faut que vous installiez une chaudière sous forme de pompe à chaleur ou une chaudière qui soit neutre en carbone. Et ça a provoqué immédiatement une révolte violente parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, c'est à vous de payer. Hein. Vous devez leur dire, vous pouvez leur dire, vous devez faire un effort. Vous pouvez leur dire, vous devez contribuer à l'amélioration des performances collectives de notre économie. Vous ne pouvez pas leur dire, c'est à vous de payer. Alors, comment on finance ? Y a tout un débat. Il y a tout un débat qui n'est pas clos. Hein. Y a un débat qui... dit il faut redéployer les dépenses. C'est un peu ce qu'on a fait avec le budget 2024, c'est-à-dire qu'on a dégagé de l'ordre de 10 milliards dans le budget 2024 pour financer les premières étapes de cette transformation. Sur le total, qui est en gros de 30-35 milliards par an, on a atteint la marche des 10 milliards, enfin, ce n'est pas exclusivement de transition climatique, donc on est plus à 8 milliards. Donc si vous voulez, on est à peu près au quart de l'effort qu'il faut faire. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Et de ce point de vue-là, on a très bien travaillé, mais on y reviendra sûrement dans la discussion avec le secrétaire général à la planification écologique sur... la prise en compte des recommandations du rapport dans des décisions publiques. Mais on n'ira pas très loin parce que assez vite, on va se heurter au fait que à chaque fois, il faut couper ailleurs et couper ailleurs, y compris dans les dépenses brunes, c'est difficile. La question de l'endettement est posée. Donc ça renvoie à toute une discussion européenne sur laquelle on pourra revenir, mais sur la renégociation du cadre budgétaire européen, mais telles que les choses sont aujourd'hui, il est peu probable qu'il y ait une place importante qui soit faite à l'endettement pour des motifs climatiques. Donc ce n'est pas, c'est pas facile. Je continue à penser que pour des investissements à rendement lointain, on peut avoir, en fait, une forme de financement par endettement parce que c'est très progressivement, encore une fois, que ces investissements vont produire leurs effets. Mais c'est quand même une base sur laquelle on peut s'endetter. On a en face de l'endettement, on a un rendement économique, même si ce rendement économique est faible et s'il est à longue échéance. Donc c'est quand même un vecteur sur la base de duquel on peut s'endetter. Et puis enfin, il y a le sujet de la fiscalité sur lequel vous avez annoncé qu'on reviendrait. Qu'est-ce que je veux vous présenter encore ? Oui, ça, ce n'est pas dans le rapport, mais j'aime bien ce graphique parce qu'il rappelle bien qu'est-ce que aujourd'hui, quelle est la situation et quel est le trilemme. Les économistes aiment bien les trilemmes. Là, on a un trilemme entre les objectifs climatiques, la soutenabilité financière et puis la faisabilité politique.
Et les politiques qu'on a aujourd'hui en place ne sont pas des politiques qu'on peut passer à l'échelle. Voilà. Et c'est le FMI qui a observé ça. Il a dit, mais ces politiques, si on prend les politiques qu'on a aux États-Unis, les politiques qu'on a en Europe, en fait, elles sont insuffisantes par rapport à l'ambition de ramener les émissions à zéro. Et si on les augmente à hauteur de ce qu'il faudrait pour ramener les émissions à zéro, alors on va nécessairement déboucher sur des problèmes de soutenabilité ou sur des problèmes de faisabilité politique. Je termine, je saute ça. Pardon, je saute tout ça. Je passe aux conclusions parce que je ne veux pas vous endormir. Les conclusions que moi je voudrais vous proposer et sur lesquelles on peut discuter, c'est d'abord qu'il n'y a pas de raison de postuler un arbitrage permanent entre croissance et préservation du climat. Donc c'est un plaidoyer contre la thèse de la décroissance. Moi, j'ai de la sympathie philosophique pour la décroissance. Je pense que si on entend par décroissance qu'il faut changer les comportements, qu'il faut ne pas être dans une accumulation quantitative, etc., j'entends ça tout à fait. Si j'entends par décroissance le fait de dire ça a une signification macroéconomique, j'ai beaucoup plus de mal. Parce que je crois que si vous faites moins de consommation d'objets matériels, si vous faites moins de consommation de services à forte intensité en carbone, par exemple les services de transport aérien, ben vous n'allez pas forcément aller vers une réduction de votre consommation totale, vous allez éventuellement vous reporter sur d'autres types de biens. Et de toute façon, si vous, ou de services, et de toute façon, si vous voulez ramener à zéro les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas par la décroissance que vous pouvez y arriver. Parce que ça voudrait dire qu'effectivement, il n'y aurait plus, non seulement il n'y aurait plus de croissance du tout, mais il n'y aurait plus d'activité économique du tout. Donc, je pense qu'il faut être bien conscient de ce que signifie économiquement le thème de la décroissance. Donc, on aura une économie, on doit construire une économie différente. C'est une économie qui n'est pas forcément moins efficace. C'est une économie qui sera, sur certains points, évidemment, elle aura la structure sera différente. La structure de la consommation sera différente. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de technologie. Par exemple, on ne peut pas dire comment on limite les émissions de méthane liées à l'élevage bovin. On n'a pas de technologie pour ça. Et on ne peut pas remplacer les vaches par du capital. Ça, on sait le faire. Et ça demandera des changements de comportement. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels on peut parfaitement répondre par du progrès technique ou de l'investissement. La deuxième conclusion, c'est que l'enjeu de l'équité est absolument central et que je crois que l'enjeu de l'équité, dans ce domaine, en fait, il convoque une définition de l'équité qui est beaucoup plus exigeante que les définitions de l'équité en temps normal. En temps normal, finalement, ce que vous appelez l'équité, c'est que la distribution du revenu correspondent plus ou moins à la rémunération des efforts et des talents et qu'il n'y ait pas des écarts scandaleux de rémunération au sein ou de patrimoine au sein de la population. Face à ça, face à quelque chose qui s'assimile à un combat pour la survie de l'humanité, eh bien, il faut mobiliser des conceptions de l'équité qui sont des conceptions qui prévalent en temps de guerre, c'est-à-dire c'est l'égalité des sacrifices. Et donc c'est pour ça que vous étonnez quand on dit la taxe carbone, c'est très très mal reçu, enfin vous vous étonnez peut-être pas, mais les économistes s'étonnent, ils n'ont pas compris que la taxe carbone, c'est simplement que vous allez dire il faut payer un peu plus cher pour aller passer votre week-end à Rome ou à Lisbonne, et c'est comme ça que vous allez vous acquitter
de votre devoir en matière climatique. Ce n'est pas une conception très exigeante de l'équité et ça ne correspond pas au vécu des gens. Ce qui a une signification dans la révolte des Gilets jaunes, c'était vraiment que ce qu'on leur demandait était de l'ordre immédiatement de la modification de leur mode de vie, alors qu'ils voyaient que d'autres ne les modifiaient pas et payaient simplement un peu plus cher. Et enfin, troisième message, à l'horizon de 2030, il y aura des coûts. Et il faut le reconnaître. On a eu un peu trop tendance à présenter la transition écologique comme un chemin, un sentier parsemé de pétales de rose, dans lequel les choses allaient se passer très très bien. On allait créer beaucoup d'emplois, on allait créer des bons emplois, on allait faire de la croissance. Et donc, ça allait demander d'efforts à personne. Ce n'est pas vrai. Le fait qu'il faille passer par une phase d'investissement, le fait que cet investissement, c'est un investissement qui est consacré à la réduction des émissions, qui n'est pas consacré à l'augmentation, à l'amélioration de l'efficacité globale ou de l'efficience globale du système productif, ça a des conséquences, et ces conséquences, il faut les reconnaître. Ce n'est pas en racontant des histoires aux citoyens qu'on va les mobiliser. C'est en leur disant la vérité sur ce qui nous attend et en leur montrant qu'on a la capacité collective d'engager cette transition et de la mener à bien, et que c'est à ça qu'on les invite, à condition que le partage des efforts soit suffisamment bien réparti, enfin soit suffisamment équitable, et à condition que chacun y trouve sa place, y trouve son rôle, y trouve comment il peut y contribuer. Donc, il me semble qu'il faut reconnaître qu'il y aura des coûts, et c'est l'idée de dire qu'il n'y aura pas de coûts, enfin, la prétention qu'il n'y aura pas de coûts, est quelque chose de dangereux. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'ai été déjà beaucoup trop long. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on va bien évidemment vous donner le micro pour poser vos questions, mais c'est vrai qu'il y avait certains points sur lesquels on voulait revenir. Alors, comme vous êtes économiste et que vous aimez les trilemmes, vous en posez un dans le rapport, vous écrivez « L'Union européenne ne peut pas être à la fois la championne du climat, championne du multilatéralisme et championne de la vertu budgétaire. L'Europe ne peut pas se permettre d'afficher une grande stratégie climatique tout en restant dans le flou quant à sa mise en œuvre effective. Il importe qu'elle définisse et mette en place une nouvelle gouvernance climatique à la mesure de son ambition. » Nous, comme on est beaucoup en master de droit de l'Union européenne et qu'on fait un travail de recherche sur le Green Deal, ça nous intéresse. Donc, j'ai plusieurs questions dans la question. Que choisissez-vous dans le trilemme que vous posez ? Pensez-vous que la grande stratégie climatique, autrement dit le Green Deal, est une stratégie crédible ? Et de quel type de nouvelle gouvernance climatique parlez-vous dans ce passage ? Voilà. Alors, d'abord, je vais dire du bien du Green Deal. Je pense que l'Union européenne a pris en charge ce sujet. En 2019, vous ne suiviez peut-être pas l'actualité, mais enfin en 2019, il y a eu des élections européennes. Et ces élections européennes, elles ont débouché sur la signification qu'on leur a donnée, c'est beaucoup que les jeunes avaient voté et que les jeunes avaient voté en attendant qu'il se passe quelque chose sur le climat. Et à l'époque, il n'y avait pas eu le Covid, il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, il n'y avait pas eu, évidemment, ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Et l'interprétation qui a été donnée, c'est on a cette question du climat, saisissons la question du climat et fixons-nous une ambition qui soit une ambition à la mesure du problème. Et c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, on a la Commission a proposé cet objectif. Elle a obtenu l'accord des chefs d'État sur l'objectif. Et ensuite, elle a défini la stratégie. Donc, c'est un travail considérable. Et c'est un travail sans lequel on ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'individuellement, évidemment, chaque pays était beaucoup trop petit pour pouvoir non seulement peser sur les émissions climatiques, mais peser sur
l'économie politique de l'action collective internationale, c'est-à-dire entraîner les autres, quoi. L'Union européenne, c'est 10% des émissions mondiales. C'est pas énorme, mais c'est quand même suffisamment important pour qu'on puisse dire c'est un grand marché, ça reste un grand marché. On dit il va falloir, pour vendre des voitures chez nous, il va falloir qu'elles soient neutres en carbone. Nous équiper, on a un marché qui est un marché qui va faire une grande place aux énergies renouvelables, etc. Donc il y a tout un appareil législatif qui s'est mis en place pour ça. La question, c'est ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement avec les conséquences ? Et ce qui se passe avec les conséquences, c'est que on se confronte nécessairement à des difficultés. Alors, je vais vous donner un exemple de telle difficulté. Voilà. Donc ça c'est les financements européens pour le climat. Alors en 2020, au moment de la crise sanitaire, l'Union européenne a mis en place un programme d'endettement commun pour financer des investissements. Et il se trouve que de 35 à 40% de ces investissements sont allés dans l'action pour le climat, l'environnement et principalement pour le climat. Et donc ça a été une contribution forte, en fait, au financement de cet effort. Le problème, c'est que ça s'arrête. C'est-à-dire que ici, vous avez en milliards d'euros par an, vous avez le montant des financements climat, des dons climat, des transferts liés au climat dans le budget européen et dans le budget supplémentaire lié à ce mécanisme d'emprunt commun. Et vous voyez que dès 2025, ça commence à baisser et qu'en 2027, on passera de 50 milliards par an à 34 milliards, à moins de 20 milliards par an. Donc là, on a un problème qui est que cette source de financement, qui est une source de financement qui est assise sur des contributions des États. Au départ, dans cet accord, il y a eu l'idée que soit on allait trouver des ressources propres, soit on allait demander aux États de contribuer au remboursement de la dette commune européenne. Et pour beaucoup, on s'est dit, peut-être que cette dette, elle va le faire rouler, elle ne sera pas vraiment remboursée, elle continuera à être maintenue, en tout cas pendant la période de la transition. Mais sauf que évidemment, ça marche jusqu'en 2025 et après, on voit bien qu'il y a, il y a cette chute très importante de l'endettement commun. Donc, l'Union européenne dit aux États, il faut que vous fassiez des efforts, il faut que vous fassiez des efforts en matière de climat et non seulement on ne va pas vous aider à faire ces efforts supplémentaires, mais en fait, on va vous aider moins parce qu'on vous apporte moins sur la base de l'endettement commun. Donc ça, c'est la partie la tension entre climat et endettement. Dans le même temps, les règles budgétaires sont en train d'être négociées. Elles sont en train d'être négociées en ce moment. On pense qu'on devrait arriver à un accord d'ici la fin de l'année. Mais cet accord va faire très peu de place, en fait, à l'endettement pour le climat. C'est-à-dire que il y a une clause générale d'exemption pour l'investissement et que cette clause générale peut aider à ce que, avec un horizon maximal de 7 ans, on puisse financer des investissements. Donc un horizon maximal de 7 ans, c'est très court par rapport au climat. Ça ne sera pas une contribution très forte. De ce point de vue-là, c'est
c'est décevant. Donc, la tension n'est pas résolue à ce stade par l'idée de permettre aux États de s'endetter davantage. On peut dire, si c'est l'Union, pas l'Union qui s'endette, c'est les États qui peuvent s'endetter. Ce n'est pas idéal, parce que les États ont des capacités d'endettement très inégales, alors que c'est une politique qui est en fait une politique commune. Mais bon, si on leur permet d'être endettés, ce serait déjà quelque chose. En fait, ce qui est probable, c'est que cette capacité d'endettement supplémentaire, elle ne sera pas considérable pour les États, elle sera très contrainte. Donc on a cette tension. Et puis on a la tension liée au multilatéralisme et au fait que l'Union européenne dit eh bien, on va faire tout ça dans le respect des règles internationales. Alors on peut parler longuement de ce sujet, on peut y revenir si vous voulez avec le mécanisme d'ajustement aux frontières et ce genre de choses. Mais je pense que la grande découverte qu'a faite l'Union européenne, c'est qu'elle a découvert qu'elle croyait naïvement que le jour où cette législation a été passée sous Trump, ouais, en tout cas elle a été conçue sous Trump, et elle croyait que le jour où Biden ou les démocrates reviendraient au pouvoir, ils allaient rejoindre en fait les politiques de l'Union européenne. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imaginé et mis en place une politique qui est la leur, qui est l'Inflation Reduction Act, qui est essentiellement une politique de subvention. Et cette politique de subvention, elle va permettre aux entreprises, en fait, de faire des investissements importants en matière climatique. Et elle est assortie de dispositions assez protectionnistes sur le fait de dire qu'il faut qu'il y ait du contenu local pour que les investissements soient éligibles en fait aux subventions de l'Inflation Reduction Act. Donc en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'Union européenne s'est présentée comme un peu le meilleur élève de la classe, mais elle fait face aujourd'hui à des difficultés réelles, hein, puisque sur le plan de l'endettement, elle est contrainte. Sur le plan des règles multilatérales, les autres ne font pas la même chose. Et donc, elle est face à un trilemme dont elle n'a pas exactement la solution. La suite. Est-ce que le micro ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, en lisant votre rapport, j'avais une question. Votre rapport porte notamment sur la planification écologique. D'un point de vue sémantique, la planification, c'est un terme qui renvoie souvent à la planification soviétique, à une idée d'une planification qui serait antinomique avec la démocratie. Et d'ailleurs, dans votre rapport sur les incidences macroéconomiques de la transition, il n'y a pas une seule fois une référence à la démocratie. Et donc, ça m'avait interpellé. Est-ce que c'est possible de penser une planification écologique démocratique ? Comment intégrer également le volet démocratique dans votre conclusion sur la transition ? Et donc, voilà, quelle réflexion vous avez sur la démocratie ? Est-ce qu'elle doit se joindre au débat sur la planification écologique ? Merci. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord la question de savoir pourquoi ça s'appelle planification. La réponse courte et pas fausse, c'est que la planification écologique, c'était un thème de campagne de Mélenchon, et que après l'élection, enfin entre les deux tours plus exactement, Macron a annoncé que on allait faire la planification écologique. Donc, il a explicitement piqué l'expression, en tout cas, à Mélenchon. Derrière ça, il y a quoi ? Il y a l'idée que ce n'est pas le marché exclusivement, et ce n'est même pas les instruments de marché qui vont faire la transition. C'est-à-dire, c'est changer de système économique, enfin, largement. C'est en tout cas de changer de système énergétique. Et comme c'est changer de système énergétique, ça nécessite de
prendre en charge toutes sortes de contraintes et de s'assurer qu'on respecte bien ces différentes contraintes. Ce qui m'a frappé, moi j'ai pas mal travaillé avec le secrétaire général à la planification écologique, c'est qu'en fait, ils sont partis en disant, si on dit, par exemple, on va avoir un recours différent à la biomasse, ce n'est pas infini. La biomasse, c'est ce qui est produit chaque année en biomasse. Et donc, il faut aussi gérer les contraintes biomasse. Et puis, il y a les contraintes de l'eau, il y a les contraintes de l'espace, etc. Donc, il faut en fait raisonner avec des instruments, avec des catégories qui sont celles de la planification. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'était un vrai progrès que de mettre en place, en fait, cette perspective. Alors maintenant, est-ce que c'est démocratique ? Je peux vous répondre, c'est démocratique parce que c'est voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, enfin, c'est soumis au Parlement. Mais ce sera une réponse un peu courte. Moi, je pense que la planification, si ça ne renvoie pas à la planification soviétique ou à la planification chinoise, mais ça renvoie à un exercice pour lequel, au fond, on a une expérience de notre histoire. Cette expérience, c'est la planification de l'après-guerre. C'est-à-dire, c'est le fait de dire dans une situation de reconstruction, il faut faire des choix. Et donc, ces choix se font dans un cadre qui associe des partenaires sociaux. Ils se font dans un cadre qui, à la fin, aboutit à une loi de plan. Mais enfin, on ne peut pas tout faire à la fois, quoi. Vous savez, les Monet raconte dans ses mémoires que la question qui se posait, c'était vraiment de savoir est-ce qu'on choisissait de mettre de l'acier pour faire des ponts qui avaient été détruits ou est-ce qu'il fallait mettre de l'acier pour reconstruire l'outil de production. C'était ce genre de choix parce qu'on faisait face à des raretés. Et je pense qu'on a fait face un peu à ce genre de choix aujourd'hui. Voilà, donc je ne suis pas... Je suis pas choqué par l'expression planification écologique. Il y a une question là-bas au fond. Merci, bonsoir. On a parlé du coup du rôle des entreprises dans leur faculté potentiellement à innover, à investir. Et justement, on voit l'émergence, en tout cas croissante en apparence, de la prise en compte de critères extra-financiers sur les marchés. Et je voulais savoir justement, dans quelle mesure vous croyez à la sanction des marchés et quel rôle ça pourrait avoir dans l'accélération de la lutte contre le réchauffement climatique ? Directement par les entreprises. Merci. C'est une question sur laquelle on peut avoir des convictions, mais il faut aussi des faits. Moi, j'ai trouvé des papiers de recherche qui montrent que, en Europe, en tout cas, les entreprises qui ont un comportement orienté vers la réduction des émissions, qui réduisent leurs émissions, en tirent un bénéfice en termes de valorisation de leurs actions. C'est un résultat fragile, mais c'est un résultat encourageant. Parce que, évidemment, quand vous dites c'est une externalité, ce n'est pas forcément quelque chose qui intervient dans la valorisation de l'entreprise. Et vous avez toute une partie des entreprises, notamment aux États-Unis, mais ailleurs aussi, qui disent notre métier, c'est de donner de la valeur à nos actionnaires, c'est pas de contribuer au bien-être de la planète. Donc, c'est important parce que je pense pas, si vous voulez, il y a tout un débat pour savoir si pour arriver à la réduction, l'élimination des émissions de gaz à effet de serre,
est-ce qu'il faut sortir du capitalisme ou est-ce qu'il faut le faire à l'intérieur du système capitaliste? Et moi, je pense plutôt que c'est de l'ordre de la guerre des capitalismes. C'est-à-dire, je pense qu'historiquement, on a eu le capitalisme agraire contre le capitalisme industriel. On a eu des grands affrontements autour de ces questions, le capitalisme esclavagiste contre le capitalisme non esclavagiste. Enfin, il y a eu des affrontements de ce type dans l'histoire. Et c'est plus, en fait, en favorisant, en fait, la transformation du capitalisme par des mesures qui permettent, en tout cas, de aux actionnaires d'y voir clair et s'ils le souhaitent, de valoriser, en fait, les comportements vertueux, que je pense qu'on y arrivera plutôt que de se mettre dans une logique dans laquelle on sort du capitalisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire typiquement qu'on est en train de mettre en place un système d'information comptable qui va permettre de mesurer précisément les performances des entreprises. C'est-à-dire qu'on va obliger les entreprises, dans le cadre de normes comptables internationales, à déclarer, mais avec évidemment des vérifications, à déclarer leurs émissions. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut mettre en route cette concurrence, en fait, autour des performances environnementales. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va gagner? C'est un pari. Hein. C'est un pari, c'est-à-dire que rien ne nous dit que les entreprises vont jouer le jeu. Mais ce qui s'est passé depuis l'accord de Paris, encore une fois, le mécanisme derrière l'accord de Paris, c'était un peu de concurrence entre les États, un peu de concurrence entre les collectivités, les entités subnationales, et puis la concurrence entre les entreprises. Et cet accord de Paris, je ne peux pas dire qu'il marche. Il n'a pas donné les résultats qu'on attendait de lui, mais il donne des résultats encourageants. On a mis en route une mécanique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas désespérer de ce type de mécanisme. En tout cas, si on voulait un accord de Paris plus contraignant, il faudrait résoudre des problèmes d'équité internationale qui sont à peu près insolubles du point de vue, non seulement du point de vue pratique, du point de vue politique, mais aussi d'un point de vue théorique. C'est-à-dire, je ne sais pas dire quelle est la bonne norme d'équité qui doit s'appliquer, qui doit définir ce que chaque pays est en droit d'émettre. Et les pays en développement n'ont absolument pas tort de dire les pays riches ont beaucoup émis dans le passé, donc il faut raisonner sur les stocks. Mais ils ont aussi, les pays riches ont aussi contribué à créer un progrès technique qui est aujourd'hui un autre stock auquel les pays pauvres ont accès. Donc voilà, je pense que ce sont des évolutions qui vont plutôt dans le bon sens et en tout cas sur lesquelles je pense qu'il faut miser. Merci pour vos éclairages. Vous nous avez parlé des différentes manières de financer la transition écologique et j'aurais voulu connaître dans ce cadre votre positionnement sur la place de la politique monétaire. Quelle serait l'efficacité d'un verdissement de la politique monétaire pour financer la transition? Merci. Écoutez, je pense que c'est assez faible. Si on avait... Dans les pays en développement, je vais faire une distinction. Dans les pays en développement, les banques centrales, elles ont un rôle d'allocation du crédit. Dans les pays avancés, elles sont neutres du point de vue de l'allocation du crédit. Donc, les faire revenir vers une politique d'allocation du crédit,
C'est une évolution qui va se heurter à beaucoup d'obstacles. Et d'abord, un obstacle juridique. C'est-à-dire les banques centrales, elles ont un mandat. La Banque centrale européenne, elle a un mandat qui est défini dans le traité. La Fed, elle a un mandat. Enfin, toutes les banques centrales ont des mandats. Donc, il faut changer les mandats des banques centrales. Je ne suis pas pour qu'on dise la politique monétaire, elle va pouvoir contribuer parce que c'est un outil puissant. Non, il faut que ce soit, on parlait de la démocratie tout à l'heure, il faut que ça soit inscrit dans le système démocratique. Et si on se limite en fait à ce que peuvent faire les banques centrales en restant dans le cadre de leur mandat, c'est pas très efficace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire. Par exemple, enfin, on en parle, on dit dans le rapport, il faut peut-être relever la cible d'inflation parce que on va aller vers une période très chahutée dans laquelle il y aura des chocs inflationnistes liés à la rareté temporaire des ressources en matériaux critiques. Et lié aux modifications de prix relatifs, etc. Donc tout ça, ça va compter. Donc les banques centrales, on peut leur demander de traiter ça. En considérant que ça fait partie des chocs auxquels elles doivent, qu'elles doivent accepter tant que ça ne fait pas décaler les anticipations d'inflation. Mais de là à dire les banques centrales, il faut qu'elles aient une politique verte, je pense en plus que ce n'est pas nécessairement une bonne chose d'un point de vue démocratique. On a des institutions indépendantes, c'est parce qu'elles ont un mandat très, très restreint. Merci. Bonsoir, merci pour vos éclairages. Je suis arrivé un peu en retard, donc n'hésitez pas à me dire si la question que je vais vous poser se répète par rapport à ce que vous avez dit. Dans le rapport que vous avez publié avec Selma Mahfouz, vous parlez pour l'adaptation d'un financement de 3 milliards d'euros, dont 1 milliard d'euros qui vient de fonds publics. Ma question, c'était pourquoi ce chiffre-là en particulier, notamment sachant que, par exemple, I4C a sorti une note il y a un an ou deux, il me semble, ou peut-être moins, qui parle de 2,3 milliards d'euros de financement public par an, comme quoi ce serait le strict minimum. J'ai pas vraiment trouvé de pourquoi vous avez choisi le chiffre de 3 milliards d'euros, dont 1 milliard de financement public. Et ensuite, j'ai une deuxième question. La Cour des comptes a sorti un rapport durant l'été 2023 sur justement le financement de la transition écologique, en se basant sur votre rapport. Et estimer que l'État devait mettre sur la table 10,5 milliards d'euros, il me semble, sur la base du ratio des dépenses publiques par rapport au PIB. Dans votre rapport, vous estimez que les dépenses publiques doivent être portées à entre 25 et 34 milliards d'euros supplémentaires. Quel ratio, selon vous ? Quel ratio, selon vous, est-il nécessaire pour l'État au sein de ces dépenses publiques, et qu'est-ce que vous pensez de la position de la Cour des comptes ? Alors, sur la question de l'adaptation, la vérité, c'est qu'on sait très peu de choses. Moi, j'étais très frappé parce que, bon, donc, ça me donne l'occasion de dire un mot sur la fabrication de ce rapport. C'est évidemment pas moi qui ai tout fait avec Selma Mahfouz. On a fait travailler beaucoup d'experts, certains dans l'administration, certains en dehors des administrations, certains dans l'université, certains dans des entreprises, notamment des entreprises publiques. Et ça a été une très, très belle expérience parce que, au fond, on a partagé le fait qu'on partait avec le sentiment très fort qu'on était en retard. Qu'on n'était pas, notre expertise n'était pas au niveau où elle devait être. Et que donc on a travaillé de manière extraordinairement ouverte. Quoi. Vous savez, quand vous travaillez dans un cadre interministériel, vous avez souvent des gens qui cachent leurs cartes.
Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Chacun a joué carte sur table. Mais bon, sur l'adaptation, on s'est rendu compte qu'on connaissait très peu de choses. Alors, la réponse procédurale à votre question, c'est de dire on a demandé à un groupe piloté par Xavier Timbaud, auquel, de l'OFCE, auquel participait I4C, de travailler sur le sujet. Bon, ils sont arrivés à cette évaluation, mais ils sont surtout arrivés au fait que on n'a pas une bonne évaluation de cet effort et que c'est un sujet absolument prioritaire parce que on va pas devoir, on va pas choisir entre l'adaptation et l'atténuation. On va devoir faire les deux. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y a un certain nombre de sujets, il y a un certain nombre d'institutions qui restent dans l'optique qu'il faut, il faut pas basculer sur l'adaptation parce qu'au fond, parler d'adaptation, c'est reconnaître notre échec, c'est reconnaître qu'on n'a pas fait assez, qu'on renonce à faire assez en termes d'atténuation. Ben non, parce que de toute façon, l'adaptation, c'est déjà l'adaptation au niveau actuel des températures et à celle qui est inévitable compte tenu du budget carbone qu'on a. Voilà. Donc voilà sur l'adaptation. Sur la question du partage public-privé, moi, je considère que la manière dont on a procédé sur l'évaluation générale des investissements, elle était nécessaire. C'est-à-dire qu'il fallait à un moment compter les chaudières, compter les véhicules, compter les bâtiments, les mètres carrés, etc. Donc ça, on a fait, et je pense qu'on a eu raison de faire comme ça, parce que ce qui existait, c'était pour beaucoup, c'était des choses dérivées de modèles économiques. Et les dérivés de modèles économiques, j'y crois pas énormément en ce qui concerne le chiffrage des investissements. Bon. Alors ensuite, entre le partage public et privé, le partage qui est proposé n'est pas un partage certain. C'est-à-dire, il faut pas dire il faut des fonds publics par principe. Ce que j'ai voulu faire, c'est donner un chiffre qui traduise le risque de ne pas engager assez d'argent public et d'aboutir à une situation de blocage. Je vous ai parlé, alors, je ne sais pas si vous étiez là, du fait qu'il y avait blocage en France, il y a eu blocage sur les gilets jaunes. En Allemagne, il y a eu blocage sur les chaudières. Enfin, à chaque fois, on retrouve le même genre de choses. Et ça, c'est quand on ne met pas assez d'argent public et donc les gens se retrouvent devant une équation sans solution. Donc le message, c'est ne mettez pas les gens devant une équation sans solution. Maintenant, si on trouve des solutions qui permettent de faire qu'on réussit à ce que l'ingénierie financière remplace en fait l'argent budgétaire, moi, je suis tout à fait pour. C'est pas la religion de la dépense budgétaire. J'ai voulu prendre une cote suffisamment large pour que on puisse se permettre de, en tout cas qu'on ne se contraigne pas et qu'on n'aboutisse pas mécaniquement à une situation dans laquelle on fait échouer la transition. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci. J'avais une question s'agissant de l'intervention économique de l'État en faveur de la transition. On a beaucoup parlé de la part des financements publics-privés sur plan quantitatif, mais je ne sais pas si sur plan qualitatif, c'est-à-dire au niveau des mécanismes concrets d'intervention, on a des pistes, par exemple, les adapter selon les destinataires des mesures, selon, par exemple, si on est en présence d'aide aux ménages ou aux entreprises, s'il y a des mécanismes à privilégier ou plutôt à éviter. Parce que vous aviez aussi parlé de la question des nudges, et ça m'a rappelé
le nage assez connu sur les factures d'électricité, sur les factures d'électricité des Britanniques, l'expérience qui avait été menée, oui, c'était... on avait poussé les consommateurs à la comparer avec celle de leurs voisins. Et effectivement, c'était un nudge qui était assez significatif, mais ce serait un exemple de voir comment on peut adapter les politiques en ce sens. Merci. C'est plus une remarque qu'une question, non ? Non, je pense que... Enfin, là encore, ce rapport, c'est à grosse maille. C'est pas un rapport fin parce qu'on s'est pas appuyé sur des travaux fins. Il y a énormément de travaux à faire pour essayer de comprendre comment on peut orienter les comportements individuels dans la bonne direction, comment on peut aider à ce que ces comportements se modifient. Mais on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, on fait avec la tuyauterie budgétaire. Mais ce n'est pas forcément de la tuyauterie budgétaire. Ça que, et je pense que vous avez raison quand vous dites qu'il ne s'agit pas de... simplement, ce n'est pas en déversant de l'argent public, c'est en trouvant des mécanismes qui sont éventuellement des mécanismes économes d'argent public et qui sont efficaces. Moi, je suis très frappé, par exemple, que... je suis parisien. À Paris, la pratique du vélo se développe à toute vitesse. Vous avez mis de l'argent public pour faire des voies cyclables, mais c'est effectivement une norme sociale qui est en train de changer. Donc ça, c'est vraiment... C'est une très bonne surprise. Et c'est intervenu, en fait... au départ, c'était une politique volontariste. Il n'y avait personne sur les pistes cyclables. Et puis après, il y a eu le Covid. Et puis après, c'est devenu une norme sociale. Maintenant, on a... tous les comportements s'adaptent. C'est-à-dire, vous avez de plus en plus des garages à vélo... des endroits dans les entreprises pour pouvoir le faire, pour pouvoir garer son vélo. Vous avez de plus en plus tout l'accompagnement, si vous voulez, de ces changements de comportement qui est en train de se faire. Donc, je pense que c'est plutôt encourageant, tout ça. Bonjour, monsieur. J'avais une question. J'avais une question qui a été un petit peu au-delà du rapport, on va dire. C'est que, du coup, on sait aujourd'hui que le coût de l'inaction climatique est supérieur au coût de l'action climatique. Donc, comment est-ce qu'on peut justifier, d'un point de vue économique, l'insuffisance des politiques climatiques actuelles que vous nous avez décrites ? Et deuxièmement, on sait que les pays émergents, notamment les BRICS, font partie des pays qui vont être les plus exposés au changement climatique dans l'horizon 2050 ou 2100. Et comme vous nous l'avez aussi expliqué, leur utilisation des ressources au soutien de leur croissance, c'est une moins bonne nouvelle pour le climat. Du coup, j'aimerais savoir un petit peu, connaître les mécanismes économiques qui peuvent justifier l'irrationalité des agents, en tout cas de leur action en matière climatique. Est-ce que c'est seulement par manque d'altruisme, intérêt générationnel, de préférence pour le présent, etc. Merci. Bon, la première question, on va répondre de manière un peu caricaturale. Si vous prenez, supposez que les pays sont un peu tous identiques et que vous dites qu'est-ce que c'est que le problème de l'action collective, encore une fois, c'est pas dur de rendre compte du fait que sur un bien commun mondial, et on est typiquement dans un bien commun, c'est quasiment un bien commun mondial absolument pur, quoi, parce qu'il n'y a pas d'effets locaux, une tonne de carbone est mise n'importe où, elle a exactement le même effet, les dommages ils sont inégalement répartis sur la planète, mais enfin il y en a un peu pour tout le monde, même s'il y a certains pays qui peuvent y gagner marginalement. Donc tout ça, c'est la surprise, c'est plutôt que l'action collective fonctionne. Pour les économistes, si vous voulez, c'est un
capure dans laquelle on dit s'il n'y a pas un prix du carbone. Ce que disaient les économistes, c'est s'il n'y a pas un prix mondial du carbone, ça ne marchera pas. Sauf qu'il ne peut pas y avoir de prix mondial du carbone, parce que la fiscalité est un domaine de souveraineté nationale. Même en Europe, on n'a pas réussi à faire un prix commun du carbone. Alors, on l'a fait indirectement à travers des mécanismes non fiscaux, hein, les mécanismes de permis d'émission. Mais donc, c'est pas très dur de rendre compte de cette difficulté à agir. En dehors de toute considération, même de préférence pour le présent. Juste modèle de base, il vous dit, c'est très très compliqué. Donc plutôt des bonnes surprises. Et des bonnes surprises, à mon avis, qu'il faut attribuer au fait que les entreprises se disent. Si vous voulez, l'accord de Paris, il y a un collègue qui disait l'accord de Paris, il ne contient rien, il change tout. C'est un peu ça. Si vous voulez, l'accord de Paris, à un moment, il dit chaque pays va devoir contribuer. On fixe un objectif collectif et puis on va mesurer ce que fait chaque pays et on va agréger les émissions de chaque pays et on va voir ce que ça donne. Bon, c'est un mécanisme très faible, mais c'est un mécanisme qui au fond, a eu de l'efficacité et j'espère qu'il va continuer à en avoir. Enfin, on va voir ce qui va se passer à Dubaï. Sur l'autre sujet, le problème des BRICS, il est simple. Quand vous voulez financer un investissement dans les énergies renouvelables, vous allez payer. Aujourd'hui, ces investissements, ils se financent sur les marchés internationaux des capitaux assez bien pour les pays avancés. Le problème, c'est que si vous faites ça et que vous êtes un pays avec une signature qui est une signature de moins bonne qualité, vous allez payer une prime considérable pour vous financer. C'est une prime de risque qui n'est pas liée à la qualité du projet, c'est une prime de risque qui est liée à la qualité du pays. Quelle est la stabilité macroéconomique du pays, quelle est sa capacité de rembourser ses dettes, quelle est la possibilité d'aller chercher ses créances quand on a prêté à une société, etc. Hein. Et donc ça, ce sont des obstacles considérables pour le financement des investissements dans ces pays émergents. Et les solutions sont pas simples. Il faut trouver, c'est pas simplement du soutien budgétaire, c'est de la réduction du risque. Comment on dérisque l'investissement dans ces pays. Donc il faut associer à la fois les banques multilatérales de développement, il faut faire l'inventaire des risques, si vous voulez, qui vous explique la prime que vous avez. Il faut les traiter un à un. J'ai une collègue l'autre jour qui me disait, donc si vous dites le taux auquel on peut emprunter dans un pays comme pays en développement pour financer un investissement climat, ça va être 14%. Sur les 14%, il y en a 2% qui sont de la prime liée au projet lui-même. Et 12% qui sont les taux d'intérêt long terme sur un investissement non risqué, ça dépend des pays, mais enfin, c'est disons aux États-Unis, c'est 5%, ça fait 7 points sur un emprunt en dollars qui est lié strictement à la prime pays. Quoi. Donc c'est ça sur quoi il faut agir. Mais c'est vrai que tant qu'on n'agit pas là-dessus, les investissements ne se font pas suffisamment. Merci, c'est fort. Merci pour vos propos. Ma question s'adresse plutôt à l'enseignant plus qu'aux chercheurs.
En effet, je voulais savoir ce que vous pensez en fait de l'enseignement de l'économie actuellement dans les licences d'économie à l'université, dans les écoles, notamment en fait parce que les étudiants actuellement en économie seront les économistes en fait de demain pour la transition. Et est-ce qu'il y a des réformes à envisager pour que ces étudiants actuellement en économie en fait aient les clés et les outils pour être pertinents et avoir une place dans le débat public en tant qu'économiste, en tant qu'expert? Peut-être par exemple la place des mathématiques qui fait beaucoup débat, plus d'enseignement d'économie de l'environnement, plutôt l'intégration des contraintes environnementales dans les modèles enseignés dès le début de la licence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais avoir votre avis. Merci. C'est difficile parce que je n'ai pas une vision panoramique en fait, de ce qui s'enseigne en économie. Moi, j'ai une opinion assez favorable de la manière dont a évolué l'économie, qui s'est beaucoup rapprochée d'une discipline empirique et qui, du coup, a une capacité de prendre en charge des problèmes concrets qui est importante. Et je pense que là, on est sorti largement des grandes controverses sur les systèmes de pensée. Et on a largement une boîte à outils commune. Donc tout ça, ça me paraît bien. Maintenant, quand vous dites la polémique sur l'enseignement des mathématiques, vous faites référence à ce débat, il est encore vif chez les étudiants. J'en sais trop rien s'il y a vraiment une polémique, mais c'est plus qu'on entend des fois que peut-être les modèles sont trop mathématisés, trop abstraits, trop déconnectés du réel. On peut l'entendre, cette critique. Après, c'est pas une critique qui est... Enfin, c'est pas une... Trop mathématisé et trop déconnecté du réel, c'est pas la même chose, quoi. Oui, c'est-à-dire que je pense que les mathématiques sont un outil d'appréhension du réel et c'est une discipline. Enfin, si vous voulez, quand vous mathématisez, vous forcez à faire à être précis sur ce que vous dites. Et ça, c'est très très précieux. Parce que sinon, vous avez. Je suis assez vieux pour me rappeler les périodes où on avait des grands affrontements, mais qui, au fond, étaient des affrontements qui ne prenaient pas suffisamment en charge le réel tel qu'il est. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait des progrès, quoi. Donc, je ne regrette pas l'économie telle qu'elle était jadis. Alors, l'économie, aujourd'hui, elle est plus formatée, elle est plus... évidemment, elle est moins créative, elle est moins foisonnante, mais je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement regretter... Il y a toujours les biais de discipline, hein, je pense que les biais de publication sont importants. On n'a toujours pas trouvé vraiment la réponse à ça. Mais au total, j'ai l'impression que la rupture qui a eu lieu, en gros, avec des gens comme Stiglitz qui ont montré qu'en introduisant la symétrie d'information, on pouvait, et puis ensuite toute l'école de Toulouse qui a montré qu'on pouvait traiter toute une variété de questions avec une boîte à outils qui est une boîte à outils assez, assez commune. Sans être obligé de faire des hypothèses qui s'écartent trop du mainstream. Oui. Bonsoir. Vous avez parlé des dépenses brunes, et moi j'aimerais que vous parliez des recettes brunes. En effet, je crois qu'on les estime à une quarantaine de milliards en termes de recettes pour l'État chaque année, et que l'IGF a estimé qu'à l'horizon 2050, ça serait environ 13% de PIB de pertes en fait, pour les recettes de l'État. Comment on remplace en fait ces recettes brunes? Sur quelle autre taxe on peut créer pour remplacer
celles qui vont disparaître. Merci. Pardon. Je cherche un graphique quelque part. Voilà, pardon. C'est ça. Bon. Donc ici, vous avez un effet sur les finances publiques donc qui ne comprend pas effectivement la disparition des recettes brunes. Les recettes brunes, je ne me rappelle plus quel est le chiffre exact, il doit être dans ce rapport, mais le chiffre que vous citez me paraît un peu élevé. Non mais vous avez peut-être raison. Je vais regarder si ça doit être cité dans ce chapitre. Voilà, 35 milliards d'euros, les accises sur les énergies fossiles, c'est 35 milliards d'euros en 2021. Donc vous étiez pile dans la cible. Et donc 13 points de PIB de dette à l'horizon 2050, ça c'est du cumulé, c'est sur la dette. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un problème très très lourd. Je pense qu'en partie, par exemple, aujourd'hui, évidemment, les véhicules électriques ne sont pas taxés, mais je n'imagine pas que ça reste comme ça, si vous voulez. Il y aura inévitablement des taxes de substitution, des recettes de substitution qui pourront prendre la forme d'une taxe, d'une vignette sur les véhicules électriques ou des choses comme ça. C'est vrai que d'un côté, on est bien obligé de compter, mais enfin, ce n'est pas une raison pour considérer qu'il n'y a pas de solution à ce problème. C'est bon ? Non. Merci pour les éclairages. J'avais plusieurs questions, moi, sur plutôt deux types de questions. La première, elle est sur le prélèvement exceptionnel que vous proposez. Comment est-ce que vous le conciliez avec le principe du consentement à l'impôt, dans la mesure où dans le rapport, donc vous mettez qu'il serait non anticipé. Alors, je ne sais pas comment on peut le définir, mais de ce que je comprends de non anticipé, c'est qu'il y aurait une forme de surprise, c'est-à-dire qu'on prélèverait sans prévenir à l'avance les ménages concernés. Comment est-ce qu'on le concilie avec donc le principe de consentement à l'impôt, premièrement ? La deuxième question que j'avais ensuite, c'est sur les incertitudes qui existent en matière de modélisation de la transition énergétique, enfin de son coût, pardon, puisque vraiment il y a beaucoup de chiffres. Quoi. Par exemple, si on reprend l'Institut Rousseau, il estime les coûts à peu près 66 à 100 milliards d'euros par an pour l'État. Et donc, si jamais en fait, l'État se liait les mains par cette affirmation de ne plus prélever à l'avenir, comme vous le recommandez sur 30 ans, si jamais il y avait un choc qui survenait, on l'a vu avec la surprise de l'inflation, la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de chocs qu'on ne peut pas prévoir. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là que l'État se retrouve en dissonance temporelle vis-à-vis de ses propres engagements et qu'ils doivent de nouveau remettre en place un prélèvement exceptionnel. Et enfin, j'avais une dernière question sur l'utilisation de l'endettement public comme un instrument donc, pour financer la transition écologique, puisque j'ai du mal à concevoir comment est-ce que on peut, avec la remontée des taux actuels, imaginer des emprunts sur les marchés financiers suffisamment importants pour financer la transition écologique.
Si c'est fait au niveau européen, on voit que le spread des taux d'intérêt est déjà en train d'augmenter à peu près à 3%. Donc je me demande comment est-ce qu'on ferait pour faire un emprunt au niveau européen et même au niveau national, donc si c'était le cas, pardon. Comment est-ce que la France pourrait seule le faire compte tenu de la trajectoire actuelle de son endettement public et du fait que la charge de la dette est prévue pour 2027 comme étant le premier poste de l'État français. Votre deuxième point, pardon, c'était Mon deuxième point, c'est sur les incertitudes relatives au coût de la transition écologique, à les évaluer et donc à la possible surprise qu'il y aurait avec soit un choc de nouveau inflationniste ou même, ou même une guerre. Bon, la plus difficile, c'est la première sans doute, c'est de dire est-ce que effectivement, c'est une question juridique, c'est-à-dire est-ce que c'est constitutionnel de faire ça d'une manière qui. Alors, ce que j'ai indiqué, c'est la possibilité d'un impôt qui serait assis sur le patrimoine à la fin de l'année T, par exemple, en disant à l'année T plus 1, vous créez un impôt exceptionnel et temporaire sur la valeur du patrimoine financier à la fin de l'année T. Je pense que c'est pas rétrospectif, c'est pas rétroactif, ça me semble, mais je ne suis pas juriste, ça ne me semble pas poser nécessairement des questions juridiques sur le ce que vous appelez le consentement à l'impôt, qui en fait me semble une question purement juridique. C'est-à-dire, c'est pas consentement à l'impôt, c'est un sujet comportemental. Là, vous parlez d'un sujet qui est beaucoup plus de l'ordre du non de la question juridique. Vous voulez réagir? Enfin, c'est pas une proposition. C'est une proposition qui a fait beaucoup parler. C'est pas une proposition qui est très élaborée dans le rapport. Je pense, j'ai appris depuis qu'il y avait eu en Allemagne, après la guerre, il y a eu quelque chose comme ça, c'est-à-dire l'Allemagne, c'était un pays où les gens avaient perdu beaucoup de leur patrimoine, que ce soit du patrimoine immobilier, productif, Et donc, certains avaient beaucoup perdu, d'autres n'avaient rien perdu. Et il y a un moment, il a fallu faire une répartition de la charge de l'impôt pour financer la reconstitution de ce capital pour ceux qui l'avaient perdu et pour financer des politiques sociales aussi. Donc on n'est pas en terrain complètement vierge. Hein. Et d'ailleurs, les taux de cet impôt étaient beaucoup plus élevés que les taux que j'ai proposés. Donc voilà, mais j'ai pas eu d'objection, en tout cas, qui m'a été faite sur ce volet-là. Sur l'incertitude, oui, il y a beaucoup d'incertitudes. Je suis d'accord avec vous. Il y a des incertitudes dans les deux sens, c'est-à-dire que ça coûtera peut-être moins cher si on a des bonnes surprises du côté du progrès technique. Ça coûtera peut-être plus cher si on a des mauvaises surprises, notamment sur toute la dimension bâtiment. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra recourir une nouvelle fois à l'impôt exceptionnel temporaire? Non, je ne pense pas. Je pense que si vous le faites, une fois, et vous devez vous assurer de la crédibilité
de votre politique fiscale, parce que sinon, vous avez un coût en crédibilité qui est très important. Sur le troisième point, c'est-à-dire sur le financement par la dette, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, l'endettement européen bute sur le fait que les taux sur la dette commune européenne ont commencé à décaler sensiblement par rapport au taux sur la dette allemande ou celle d'autres pays qui sont, même d'ailleurs par rapport à la dette française, ils sont au-dessus de la dette française. Donc en fait, on a eu un effet qui est lié, alors en partie à des phénomènes de liquidité, c'est-à-dire que au départ, les acheteurs ont voulu de la dette européenne parce qu'ils pensaient que c'était qu'on créait un nouvel actif, une nouvelle classe d'actifs. Et en réalité, ils se sont aperçus que ce n'était pas le cas. Et donc, comme ils se sont aperçus que ce n'était pas le cas, et comme ils se sont aperçus qu'a priori, on allait rembourser cette dette et que donc la liquidité allait baisser, notre activité en fait de cette dette a baissé elle aussi. Donc c'est compliqué de savoir dans cette augmentation des spreads qu'est-ce qui est lié au fait que il n'y a pas de, enfin c'est pas un instrument permanent, ou en tout cas il n'y a pas eu de décision d'en faire un instrument permanent, et qu'est-ce qui est lié éventuellement à d'autres phénomènes. Sur la capacité de financer ces investissements par de la dette française, c'est tout le problème de savoir ce que c'est qu'une dette soutenable. Si vous dites aujourd'hui le coût de la transition climatique, ce sera X points de PIB, dont une partie sera financée par de la dette, et donc cette partie financée par la dette, elle est finie parce que il y aura pas, enfin c'est pas une dérive, c'est une augmentation en marche d'escalier de la dette, et donc ça sera de ce fait là quelque chose qui finira par être en tout cas stabilisé. Je pense que c'est jouable, même si la dette française est très élevée, bien sûr. Mais je suis conscient que c'est une opération délicate. Quoi. C'est une opération délicate que il faut s'assurer. Je pense que le problème principal, c'est de s'assurer du fait qu'on a suffisamment de rentabilité économique derrière et des mécanismes suffisamment précis pour aller chercher des économies sur les coûts de fonctionnement dont je parlais tout à l'heure, pour que ça rassure les investisseurs sur le fait que il y aura, microéconomiquement, il y a quelque chose de solide qui est sous-jacent à cette dette. Personne n'a de questions ? Personne ? Je pense qu'on peut s'arrêter là, si ça vous va. On a un petit buffet qui nous attend, normalement. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et pour les échanges. Allons nous régaler.